Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'année dernière, j'avais démarré mes vœux sur une voix toute guillerette en disant « Mes chers amis, 2020 is in the air !» Ouais, ben il n'y avait pas que 2020 qui était in the air. Alors, petite rétrospective sur les 12 mois qu'on vient de passer. Pour ma part, ça m'a semblé comme une parenthèse, comme un souffle volé. Les gens sont devenus virtuels. Ou bien à des pères dieux, sans sourire. Ça m'a fait mal. J'ai eu la sensation que l'humanité avait perdu son sourire. Nous avons traversé des moments très sombres cette année. Faut le reconnaître. Nous avons connu la tristesse, et certains l'ont connue plus que d'autres. Il y en a qui sont endeuillés cette année. Et leur cœur saignera encore longtemps. Nous avons connu la peur aussi. La peur d'être malade, la peur de mourir, la peur de voir nos proches mourir, la peur de les contaminer, la peur de les approcher, de les toucher, de les embrasser. Et pour ma part, j'ai eu l'impression de raser les murs avec mon masque, avec ces autorisations de sortie, avec ce temps limité dehors, d'impression de vivre dans un monde flou qui avait perdu ses contours. Certains d'entre nous ont connu la colère aussi. La colère face aux restrictions de liberté, colère et désarroi. Et puis certains ont connu la colère face à un sentiment de manipulation et face à un sentiment que ceux qui nous gouvernent ne cherchent pas toujours le bien de l'humanité. Mais curieusement, je n'ai jamais, pour ma part, vécu de telles restrictions de liberté. Et je pense que nous sommes nombreux dans ce cas-là, à part ceux qui sont encore là, qui ont connu la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, paradoxalement, je ne me suis jamais sentie aussi libre. Libre de penser, libre de dire, libre de me foutre de ce que pouvaient en penser les autres. Oui, c'est ça, libre de m'en foutre. Libre de dire non, libre de dire stop, et libre de dire oui. Je n'ai jamais été autant isolée de toute ma vie. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie autant connectée au reste du monde. Connectée par le cœur, connectée par Internet. Comme si ce confinement m'avait permis de trouver les personnes que je cherchais sans le savoir. Longtemps, je me suis crue un mouton noir, un vilain petit canard. Longtemps, je me suis crue inapte à ce monde. Et cette année, je me suis dit que ce n'était peut-être pas moi qui étais inapte à ce monde, mais ce monde qui était inapte à la vie. Et cette année, j'ai rencontré d'autres moutons noirs, réellement et virtuellement, qui n'étaient pas noirs du tout. Alors si cette année, j'ai eu l'impression que dans sa façade, l'humanité avait perdu son sourire, j'ai au fond de moi la certitude que son sourire intérieur a survécu. Alors c'est sûr, 2020 a été une année plus que plombante. Tous les astrologues dignes de ce nom vous le diront. Il y avait un gros amas planétaire, Jupiter, Saturne, Pluton dans le signe du Capricorne. C'était lourd de chez lourd. C'était lourdingue 2020. La bonne nouvelle, c'est que ce gros amas est en train de passer dans le signe du Verseau. Et là, je ne sais pas si vous les sentez, ces énergies, c'est beaucoup plus léger. Ça pétille, ça fait comme des petites bulles de champagne là qui remontent, c'est léger et ça fait du bien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une grande adepte de la voix du tarot de Jodorowsky. Donc voilà, je suis allée voir un petit peu les arcanes 20, qui sont l'arcane du jugement, qui était donc deux fois présente en 2020 et qui est une fois présente en 2021. Et je suis allée voir l'arcane 21, qui est l'arcane du monde. Et je vais vous retranscrire les parties de texte que j'ai trouvées très percutantes. Tu as coulé dans le fleuve noir de l'arcane 13. L'arcane 13, c'est l'arcane sans nom, la mort. Tu as poussé tes racines dans l'obscurité du diable. Tu as été le démon qui, tristement, levait sa torche comme une nostalgie de la lumière. Lorsque tu errais au fond de l'abîme, je ne t'oubliais pas. Maintenant, je peux entrer en contact avec toi, mais petit à petit, avec une patience et une douceur infinies.
car je suis trop fort. Tu ne peux t'unir à moi que si tu as été préparé, si tu as effectué le voyage dans les profondeurs de ton être, si tu as connu toutes les facettes de ton masculin et de ton féminin, et que tu les as réconciliées et équilibrées. Je t'apporte la lumière de tous les univers. Ma puissance exige que tu aies fait la paix avec toi-même, que du plus profond de ton inconscient aies commencé à croître l'arbre nouveau. Que tout ton être soit plongé dans une infinie prière, que chacune de tes cellules soit en paix. Lorsque l'être devient un véritable enfant, confiant, tranquille, alors, et seulement alors, j'apparais, comme la certitude totale, comme l'appel qui résonne depuis le début des temps. Voilà pour le jugement. C'est beau, non? Alors pour le monde, le 21. La réalisation totale. Le monde appelle à se reconnaître dans sa réalité profonde, à accepter la plénitude de la réalisation. C'est aussi le moment où, délivré de l'autodestruction, on commence à entrevoir la souffrance de l'autre et à se mettre au service de l'humanité. Je suis là devant vous, tout autour de vous et en vous, avec un plaisir immense. Je suis un être complet. Il n'y a en moi rien qui me résiste. Tout est unité. Chaque chose est à sa place. Je suis une conscience invulnérable. Je suis la danse perpétuelle de la totalité. Celui qui ne me connaît pas dit non quand tout l'univers dit oui. Et cette négation à mon immense acquiescement me conduit à l'impuissance. Mais celui qui devient entièrement pur et concave, qui me laisse entrer en lui, commence à danser avec moi, à dire ce que je dis, celui-là connaît l'amour universel, la pensée totale, le désir cosmique, la force de vie impensable. Celui-là connaît la cinquième essence, l'unité de toutes les énergies. Si tu arrives à moi, c'est-à-dire si tu me développes en toi, tu goûteras le bonheur suprême qui est le bonheur de vivre. Il te faut pour cela te dissoudre dans le joyau ardent de ma présence. Comme quatre rivières revenant à leur source unique, laisse tes concepts, essaims d'abeilles aveugles, se fondre dans ma félicité. Laisse le troupeau de tes sentiments se noyer dans mon exaltation infinie. Offre-moi la meute insensée de tes désirs pour qu'elle enrichisse comme un mets exquis ma constante créativité. Et que toute ta matière, avec ses besoins inéluctables, se livre à cette transparence qui m'anime. Alors, tu seras maître de ton univers. À l'intérieur de toi, ta libido ne se révoltera pas. Tes passions ne pourront pas te submerger. Tes pensées ne te détruiront pas. Et ton corps ne fera pas obstacle à ton existence. Tu seras plein, uni à moi dans la danse, la joie, la fête. Je permets par l'obéissance que ton intellect apprenne à être, par la paix absolue que ton cœur apprenne à aimer, par l'apprentissage de la réception que ton sexe apprenne à créer, par l'acceptation de la mort que ton corps apprenne à vivre. Je suis le but de tous les chemins. Ça aurait été dommage de ne pas partager ça avec vous, parce que la prochaine fois qu'on aura un 21, ça sera dans longtemps. Alors en 2021, je nous souhaite de créer le monde que nous sommes. Il m'a fallu un peu de temps pour rédiger ces vœux, le temps d'y réfléchir, le temps de goûter les énergies du moment, le temps de les formaliser à l'écrit, à l'oral, le temps de trouver l'image qui m'inspirait, qui allait les accompagner, de la travailler. Il m'a fallu entre 2 et 3 jours, 2 et 3 jours de moi. Sur 365 jours, ça fait un petit pourcent. Ça fait un petit pourcent
de présent dédié à créer la passerelle entre le passé et le futur. Donc ça fait 1% en gros pour le passé et le futur, ce qui donc signifie qu'il me reste 99% pour le présent. La question c'est comment attraper le présent? Et la réponse, ma réponse, c'est par la voie du sentir, de la pleine conscience de l'instant. La voie du sentir, c'est quelque chose que les chats connaissent très bien. C'est une, plus qu'une philosophie, c'est une manière de vivre qui s'entretient, qui s'apprend. Et c'est aussi un livre sur qui était le grand, l'immense Luis Hanza. Ce livre, pour moi, c'est un guide, c'est une caresse de l'âme. Et cet homme, pour moi, c'est un ami. Et donc j'ai ouvert le livre, enfin j'ai regardé quel passage m'inspirait pour cette année 2021. Et le passage que j'ai retenu, eh bien je vais le partager avec vous maintenant. Dans la voie du sentir, on débranche le circuit du néocortex avec la pensée déductive et inductive, avec la comparaison, l'accumulation, la possession, la compétition, c'est-à-dire tout ce qui constitue votre personnalité individuelle égoïste. Et on branche son attention dans le monde biologique. Et là, on ne demande rien. On lâche prise à toute demande, à toute attente. Je recommence. On lâche prise à toute demande, à toute attente. On se met en état d'amour. Et à un moment donné, un renversement se fait. Le corps parle et initie l'esprit. Et cette initiation que le corps donne à l'esprit va à l'envers de tout ce que l'on a appris. Car jamais le corps ne va parler de complexe, de psychologie, de problème. Le corps est libre de la conscience mentale. Il est en captation totale, périphérique, comme une sphère. Il capte de tous les côtés. Vous commencez alors à accéder à un autre cerveau, qui est le cerveau cellulaire. Cerveau auquel la science occidentale ne connaît strictement rien. Un chaman accède ainsi à une pensée globale, c'est-à-dire à une pensée qui ne vient pas seulement d'une partie cognitive, déductive et conceptuelle de son cerveau, mais qui vient de la partie sensitive de lui-même. La pensée du chaman sent, aime et fait en même temps. Alors, en 2021, mes amis, je nous souhaite de réveiller les petits et grands chamans qui sommeillent en chacun de nous. Je nous souhaite des sourires démasqués. Je nous souhaite des hugs à n'en plus finir. Et je nous souhaite la plénitude de la gratitude. Gratitude de l'instant, de chaque petit moment que l'univers offrira à notre corps et que l'intensité de notre présence nous permettra d'offrir à notre mémoire cellulaire et de stocker dans notre âme. Tous ces moments de vie qui viennent enrichir les couleurs de notre être. Je nous souhaite un monde où la collaboration efface, silencieusement, pacifiquement, mais assurément, la compétition. Je nous souhaite d'éclore et de fleurir. Bloom and boost. Bonne année.